Bon, ce qui montre que la liberté, est-ce qu'elle est constitutive de l'homme? Bon, ce qui montre que la liberté, est-ce qu'elle est constitutive de l'homme? Est-ce qu'elle est inséparable de l'homme en tant qu'il est homme? Dans un processus de transformation, de moi-même, une réalité supérieure à ma propre réalité d'individu. Bon, ce qui montre que la liberté, est-ce qu'elle est constitutive de l'homme? Que j'accepte de me rendre étranger, étranger à ce que j'étais. Être. C'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le lex de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir.
Dormir, peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite, résigné, reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon. Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner, et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas. Ainsi, la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi, les couleurs natives de la résolution blêmissent, sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi, les entreprises les plus énergiques